Hey les potes, c'est Bédi, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare. Donc ce ne sera pas une vidéo de retour vers le futur. Je vais direct lancer une petite partie jeu d'armes. Donc je ne sais même plus où est les jeux d'armes. Sélection bonus, voilà, jeu d'armes. Donc on va faire soit une game, soit deux petites games de jeux d'armes. On va voir comment ça se passe. Donc voilà, j'avais vraiment pas envie de me casser la tête pour cette vidéo. J'avais vraiment envie de vous faire un truc très très fun pour bien rigoler, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un jeu d'armes. C'est un mode que je kiffe par-dessus tout, qui est très intéressant à jouer pour s'amuser, etc. Donc voilà. Pour ce qui est des vidéos en ligue sur Advanced Warfare, je ne sais pas. Peut-être que j'en ferai quelques-unes. Faudrait peut-être que je m'attarde plus sur la ligue pour essayer de m'améliorer, etc. Ça serait peut-être un truc à faire. Parce que si je m'améliore pas, enfin, regardez des vidéos en ligue d'un mec qui est complètement nul, bronze, etc. Là, je suis bronze, hein, parce que j'ai dû faire quoi, 10 games de ligue depuis que j'ai Call of Duty Advanced Warfare. C'est pour ça, voilà, comparé à Black Ops 2, c'est vraiment pas un jeu auquel je joue énormément, parce que maintenant je m'attarde plus sur du GTA, sur du LOL, sur l'ordi, du Hearthstone, du FIFA, etc. J'ai vraiment beaucoup de jeux à jouer, et donc voilà, mais ma chaîne restera basée sur du Call of Duty, ne vous inquiétez pas, et du FPS plutôt aussi, parce que faudrait peut-être que je m'achète Battlefield Hardline un jour. J'avais promis que je l'achèterais, faudrait que je l'achète sérieusement. Après voilà, de chaîne FPS, donc il y aura du Wolfenstein aussi, je vais essayer d'en faire. Oh putain, alors c'est parti, ça commence bien. Donc oui, du Wolfenstein aussi, il faudrait que j'en fasse, comme c'est un FPS, et ben il faudrait que j'en fasse. Alors je sais pas pourquoi j'ai pas envie de faire des petits sauts avec mon exo. Oh non, et voilà, non, c'est une pute. En plus j'allais lui faire un coup de couteau, mais il m'en a fait un avant, cet enculé. Voilà. Hop. C'est sûr qu'il y a quelqu'un derrière là, non? Je sais pas, je suis pas sûr. Je suis en train de stresser comme un gros porc. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas joué à Call of Advanced Warfare. En ce moment, je joue plutôt à du rétro, du Black Ops 2, etc. Mais voilà, là, faut que je m'y remette. Advanced Warfare. Ouais, bon, allez. Ouah, je t'ai vu, je t'ai... Oh, oui, yes. On se barre, Ah non, dommage. Donc oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas jeu d'armes, donc jeu d'armes. Donc c'est un mode où dès que tu tues quelqu'un, il y a une arme automatique qui change. Oh putain. Il y a une arme automatique qui change. Dès que tu donnes un coup de couteau à quelqu'un, tu le tues, tu changes d'arme. Et par contre, lui, il est rétrogradé d'une arme. Du coup, l'arme qu'il avait avant, eh ben, il est obligé de... il rétrograde en fait. Il a celle d'avant avant. Je pense que vous avez compris. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé. Mais j'avais un petit peu la flemme d'expliquer un petit peu plus. Donc moi, je joue avec l'option Paintball. Je sais pas, j'aime bien. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec aussi. Hein. Je suis pas le seul à jouer avec sur Advanced Warfare. Alors. Donc là, il n'y a personne. Non, ouh, yes. J'ai cru que j'allais pas l'avoir, cet enculé. Ouais, c'est Tandax. Je sais pas où regarder. Ici. Ça va arriver d'où là? Oh, oh non, dommage. Oh putain, j'aurais tellement pu le kill. Salope, salope. Ah, faut savoir que c'est super difficile de tuer quelqu'un avec ce viseur là. Wouhou, yes. De tuer quelqu'un avec ce viseur là. Le viseur de la SN6. La SN6 qui est vraiment, franchement, une arme pas mal. Hein. Y a pas beaucoup de gens qui jouent avec, mais moi je la kiffe bien. Wouhou, yes. Oh, bulldog, attention, bulldog. Ah, dommage, il était derrière moi. C'est pas très très grave. Des lapinous de partout. Donc je suis pas un mec qui joue vraiment en... je suis pas un mec qui joue vraiment trop en mêlée générale. Voilà. Tout simplement. C'est pas mes délires. Ouh putain, yes. Putain, je lui ai mis un coup de brain à lui, c'était magnifique. Désolé si des fois je parle pas trop parce que je suis vraiment concentré pour essayer de gagner. Et je me rends compte qu'en mêlée générale, voilà, faut vraiment être très très concentré parce que t'as des ennemis de partout. Alors la MK14 qu'on a là, c'est la Desecrator. D'accord, je la connaissais pas. Oh, non non non. Ah oui, yes, c'est parfait.
Magnifique. J'ai la même. Je sais pas où je suis à égalité avec le premier, je crois. Ah, voilà. Oui, yes. Oh putain. J'ai tellement eu de la chatte. Non, personne. Toi, je te tue, voilà. Là, c'est quoi ça? C'est quoi cette arme? Ouah. Oh putain. D'accord, les deux armes que j'ai là, je sais même pas ce que c'est. Non, putain, dommage, j'aurais pu le tuer là. J'ai juste eu une petite baisse de shoot. En plus, elles sont putain de lourdes ces armes. Voilà, je te tue, je te tue. Mais non! Sérieux là? Ah oui, il y a le mode fixe. Ok, d'accord. Moi, j'aime pas trop. Je vais pas trop activer le mode. Non! Mais non, non, en plus, je suis en train de me faire dépasser là. J'avais pris une bonne avance. Et là, je suis trop en train de me faire dépasser. Mais non, putain, mais non! Je suis en train de me faire dépasser, c'est un truc de fou là. C'est vrai qu'elle casse les couilles ces deux armes, hein, franchement. Allez, mais tu meurs, voilà. Enfin. Là, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Yes. Ok, je l'ai tué. Oh là, je suis avec le morse là. Le morse. Bon. Écoutez, on va passer. On va essayer de pas trop faire de la merde. Essayer de trouver quelqu'un à tuer. Voilà, c'est fait. RW1. Dommage. Donc l'RW1, c'est vraiment chaud. Dans les jeux d'armes. Putain, je suis chiant en retard. Ça me fout les morts. Et non. Aïe, aïe, aïe. J'ai pris trop de retard par rapport aux autres. Hop. Normalement, il est parti. Ah, bah il est resté là, cet enculé. Putain. Et voilà. Ça va se finir là. C'est mort. Je pense que c'est fini. Je pourrais plus. Je pourrais plus revenir dans le match, dans cette game. Non. Non. Oh putain. Mais je galère tellement. Et voilà. La RW1, c'est franchement une arme que je déteste. Regardez-moi ce. Putain. Oh, c'est grave. D'habitude, au moins, j'arrive à faire quelque chose avec, même si je l'aime pas du tout. Alors là. Oh là là. Non. Ça veut pas le faire. Hein. Ah bah voilà, enfin. Bon, je vais essayer de reprendre. Je vais essayer de rattraper mon retard là, parce que là, ça peut plus là. Ah bah non. Dommage. Bon, je suis arrivé au moins deuxième. C'est déjà ça. Donc j'ai un petit peu plus galéré avec la RW1. Franchement, c'est. C'est un truc avec lequel je galère énormément. Donc pour parler un petit peu du jeu d'armes aussi sur Advanced Warfare, si c'est celui que je préfère ou si c'est celui que je préfère pas, le jeu d'armes qui m'a plus le plus, je pense que c'est celui quand même de Black Ops 2. Franchement, c'est le jeu d'armes qui m'a le plus plu. Parce que je sais pas, ça doit être le jeu, ça doit être le feeling avec le jeu aussi. Mais voilà, comparé à Advanced Warfare, je préfère vraiment le jeu d'armes de Black Ops 2. Après, je crois bien qu'il y avait du jeu d'armes aussi. Oui, il y avait du jeu d'armes sur Ghost. Donc voilà, je pourrais vous faire des vidéos sur Ghost à Xbox One. Dites-moi dans les commentaires si vous en voulez, si vous en voulez pas, si vous dites que vous détestez que Call of Duty Ghost, ça ne sert à rien, je pense pas que je vais en faire. Donc voilà, donc la série Retour vers le futur qui va continuer aussi. Hein. Excusez-moi. La série Retour vers le futur qui va aussi continuer. Parce que voilà, c'est vraiment une série qui me tient à cœur. C'est une série que j'aime tout particulièrement. Donc voilà, c'est pour ça que je vais la continuer. Donc on va essayer de trouver une autre game. Bonus, jeu d'armes, voilà, très rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire cette game, je dois faire d'autres trucs après, enfin cette vidéo plutôt, donc c'est pour ça. Bon, un petit comeback en jeu d'armes, moi ça me dérange pas. Donc le mec s'appelle Livre Poème, comme ça c'est un nom typique de la Xbox. La Xbox te donne ça, tu sais pas pourquoi, mais bon. Donc ça a un aura des méclats, je sais pas pourquoi. À chaque fois, avant les games, j'ai l'habitude d'aura des méclats, mais là, comme on est en jeu d'armes, ça sert un petit peu à rien de vérifier ses classes. Parce que t'es en jeu d'armes, t'as compris ou pas le petit jeu de... Je déconne, je suis fou. Donc bientôt 300, ça a encore redescendu, j'avais 291, là j'ai 289. Bref, c'est vraiment un gros bordel, je vais essayer de monter à 300 rapidement. Et avec la bonne humeur, bien entendu.
Même si j'en perds, même si je perds des abonnés, c'est pas grave, voilà, je continuerai à faire des vidéos, etc. Et ça me plaît bien, et ça, c'est tout folichon, voilà, tout simplement. En tout cas, voilà, ma passion de YouTube ne s'est pas éteinte. Et même si, voilà, il y a... Mais qu'est-ce qu'il fait là? Même s'il y a des phases où, bah, sur YouTube où tu brilles moins que d'autres fois, et ben écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Non, putain, dommage. Et puis, il faut savoir que sur YouTube, maintenant, c'est vraiment très très galère de... de monter, et voilà, c'est pour ça. Donc je me fais pas de soucis pour peut-être qu'un jour je monterai, peut-être qu'un jour je monterai pas. Bah, je veux parler en notoriété, hein, sur YouTube. Peut-être qu'un jour ça se fera, peut-être qu'un jour ça se fera pas. J'espère que ça se fera, hein, bien entendu, parce que j'aimerais vraiment que ça se fasse. C'est un de mes rêves, mais bon, après, si ça se fait pas, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi. Je me dirais qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, etc. Et donc voilà. Alors. Ouais. Oui, donc on est reparti. Désolé pour la petite ellipse qu'il y a eu. Donc j'ai dû faire un truc en urgence. Donc voilà, c'est parti. Donc j'ai dû quitter aussi la partie que j'étais en train de faire. Donc c'est pas grave, on va relancer une game. On va en finir une et ça sera pour la fin de la vidéo. Donc voilà. Donc je parlais de la montée sur YouTube, etc. Donc oui, depuis quelques années, c'est vraiment très difficile de monter sur YouTube. Il faut vraiment se démarquer sur ce que tu fais, etc. Alors après, moi, avec les, je pense, avec les vidéos que je fais, je pourrais plus faire des vidéos originales. Enfin, il faudrait que je fasse des vidéos vraiment qui ressemblent à moi, pour essayer de monter un petit peu plus. Donc pour l'instant, je vais essayer vraiment de faire des vidéos que sur des FPS. Et puis on verra bien comment ça marche. Donc ça fait, bah, maintenant 1 an que je fais des vidéos sur YouTube, avec des hauts et des bas, bien entendu. Donc en 1 an, presque 300 abonnés. Je vous cache pas que c'est énormément compliqué de trouver la motive de faire des vidéos alors qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent tes vidéos, que tes abonnés avancent pas, etc. C'est vraiment pas évident de trouver la motivation pour faire ça. Mais néanmoins, il faut toujours essayer de regarder et faire des vidéos, parce que qui sait, un jour ça pourra monter d'un coup. Donc voilà, faut vraiment pas lâcher. Un conseil que je donne à tous les petits youtubeurs qui viennent de commencer, etc., ou qui ont commencé il n'y a pas longtemps, franchement, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Il faut toujours continuer à faire des vidéos, toujours, toujours, même si le retour des abonnés n'est pas celui que tu voudrais avoir. Il faut vraiment toujours essayer de garder cette bonne humeur, etc. Donc moi, je pense que je la garde un minimum, hein. Je pense que je la garde un minimum, même si voilà, là il y a un petit peu un déo lâche, un petit peu relâché dans les vidéos, et du coup les vues, ça se ressent sur les vues, le nombre d'abonnés, etc. Donc voilà, je vais essayer de reprendre ça petit à petit, remonter et refaire marcher la machine, voilà, tout simplement. Et puis donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous, ça me ferait super plaisir aussi. Donc voilà, à scène de jeu d'armes, c'est parti. J'espère que cette petite partie ne va pas bugger, parce qu'on avait trouvé sur Recovery et ça avait bugué. Alors, en attendant, et ben voilà, c'est parti. Ah ouais, non mais d'accord, ça a commencé. Bon, on va quitter parce que ça a commencé le premier déjà à 22 alors que ça finit à 25. Ça aurait fait une petite game de merde. Donc voilà, je vais essayer de trouver une game. Il faut en trouver une. Aléatoire. Comeback Defender. Bon, aléatoire, c'est pas très grave. Comme tout le monde a voté à l'hasard, donc voilà. Franchement, sur ce Advanced Warfare, je trouve que le truc, enfin la personnalisation de personnages est vraiment trop trop poussée. Enfin, personnellement, les exosquelettes, la façon de faire les trucs, je m'en bats un peu les couilles. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Voilà, alors, allez, le casque, les exos. Là, c'est un exo en tortue. On dirait un peu une tortue arbre, ou je sais pas trop. Bref, c'est un peu compliqué. Il y en a aussi avec comme si c'était un poisson, une méduse. J'ai pas trouvé ça, donc moi j'ai rien acheté de tout ça, hein. C'est des exos, tout ce qu'il y a de plus basique. Après, je trouve pas que ça fait énormément classe d'avoir un exo comme ça, franchement. Je trouve pas que ça fait énormément classe, mais bon. Ok, allez, c'est parti. Un petit jeu d'armes sur Retreat. On va essayer d'arriver premier. J'espère que bah, je vais pas trop faire de la merde au niveau du RW1. Quand je serai au RW1, j'espère que je vais vraiment pas faire de la merde. Sinon, ça serait un petit peu compliqué. Et donc voilà, c'est parti. Retreat, jeu d'armes. On est chaud.
La frappe de missile vous permet de guider un missile tiré depuis les airs. C'est pas mal, j'aime bien. Donc par rapport à la frappe de missile sur Advanced Warfare comparé à celui au missile Storm de Black Ops 2, franchement le missile Storm de Black Ops 2 par rapport au missile Predator et tout, franchement je trouve que le missile Storm c'était le truc, c'était le meilleur truc en fait. Les joueurs muets, on va tous les muter. Groupe muet, tous, voilà. Je trouve vraiment que c'était le meilleur. Parce que voilà, je sais pas, franchement c'était le meilleur comparé au Predator de MW2, etc. Ouh putain. Ah ouais, dommage. Ah, j'ai oublié que j'étais en jeu d'armes. Deux secondes, je vais essayer de régler un truc. Voilà, c'est parfait. Donc j'avais pas mis branché un truc sur mon ordinateur. Putain, ah ouais, mais je suis en train de faire de la merde là. Ou je vais essayer de le tuer. Viens là, bâtard. C'est ça. Ouh putain, j'en ai vu un autre. Y'en a un autre. Oui, yes. Ouh putain, je me barre. Ah, à l'aide, maman. Non, dommage. Alors, on va essayer d'arriver premier. Je vais essayer de me concentrer un minimum hein, aussi. C'est un petit peu logique. Voilà. Je t'ai vu. Donc là une petite mitraillette. Faudrait que j'essaie d'avoir quelqu'un dans un petit périmètre. Et ici tiens. Non. Oui, yes. Oh putain, je l'ai eu. J'ai eu tellement de la chatte. Ah yes. Encore un. Faudrait que j'essaie de me cacher. Il est là. Stamp a fait. Wouhou, yes. Oh putain, là je suis chaud patate hein. Là je vous le dis. Je suis chaud de chez chaud. Laissez tomber. Ah dommage. Donc je suis passé en tête. Faudrait que j'essaie de garder cette petite avance. Pour essayer de faire un bon truc. Alors. Non. Non mais hop. J'aurais pu le tuer 10 fois. C'est ça qui me fout les morts en fait. C'est quand j'ai une baisse de shoot mais énorme. Et ça me fout les morts. Donc faut vraiment pas stresser dans ce... Dans ces jeux d'armes, hein, faut vraiment pas stresser. Dis tout. Parce que sinon, tu fais de la merde. Surtout que, voilà, hop là, boum. Oh putain, une bulldog. Je suis pas dans la merde, moi. Non, dommage. Ouais, c'était un petit peu... Ça aurait été un petit peu chaud de le tuer, mais bon. Ouais. Oh putain, là si lui je l'ai pas. Faut que je l'ai. Ah dommage. Ouais. Oh putain. Non. Non putain. Mais c'est vraiment très très chaud en fait avec le bulldog. Faut que je trouve des ennemis à portée de moi. Mais c'est un petit peu galant de trouver des ennemis. Non mais attends, ça c'est abusé. Là c'est abusé, ça me fout les morts. Il y a le mec qui est juste devant moi qui galère aussi. Je vois qu'il bloque à 11. Moi je bloque à 10, écoutez. Non mais ce qui... Oh non. Sérieux là. Non. Et franchement je galère avec cette MK14. C'est quoi ce viseur aussi? Il pue sa mère ce viseur. Là je sais pas pourquoi, j'ai limite envie de rager. Je ne sais pas pourquoi. Attention. Faut que j'arrête de faire de la merde, sérieux. Hop. Non. Tu ne mourras pas. Oh, je l'ai eu. Yes, je sais pas, il y avait quelqu'un qui était weak, peut-être. Donc. Alors. Ouais, ouh, putain, le shoot. Je l'ai vu. Il est à moi. Ouais. C'est déjà ça. Hop, toi aussi, c'est bon. Non. Ah dommage. Ah mais c'était la S12, ok, je savais même pas que c'était cette arme là. Ah, arrête. Ouh putain. C'est vrai qu'elle est compliquée la S12 à manier. Là ou là. Yeah, bah voilà, ici. Dommage, c'est pas très très grave. Faut vraiment que j'essaie de tuer des gens avec cette arme. Non, franchement, c'est très très compliqué avec cette arme. Dans l'autre game, j'avais pris du retard avec cette arme. Je suis désolé si vous voyez pas bien ma tête. Non,
Tu vois pas bien ma tête, je sais pas, c'est parce qu'en fait à chaque fois je baisse le dos pour jouer. Pour essayer d'être au niveau de. De la télé. Et c'est pour ça. Non, non, viens là toi. Oh putain, vous savez, c'est vraiment. Mais c'est tellement galère de jouer avec cette arme, c'est affreux. Faudrait que je trouve quelqu'un à côté de moi. Mais oh, et voilà, le mec il me tue avec ça. Putain, j'en ai marre, j'en ai marre. Je vais ra. Taras! Non! Mais c'est abusé! Putain! Quelqu'un, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu fais derrière moi? Oh, j'en ai marre. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre là. T'as, c'est impossible avec cette arme là. C'est. Mais c'est. Oh putain, je suis à deux doigts de rager là. Sérieux, c'est abusé. Oh! Bah enfin! Oh! Et le, par contre le, ils ont pris, vous avez, ils ont pris trop d'avance sur moi là, ils ont pris trop d'avance sur moi là, sérieusement. Là c'est un petit peu fichu. En plus cette map je l'aime pas trop en jeu d'armes, c'est, je sais pas. Cette map en jeu d'armes elle est bof bof. Hein. Non, non mais. Et voilà, j'ai loupé mon coup de scope, en plus ça fait un bail que j'ai pas joué au snipe. Non, et ben voilà. Bon, pour la game, là, je pense que c'est fini. Je sais même pas si je vais arriver troisième. Alors, troisième serait vraiment l'exploit le plus total. Non, mais arrête de bouger. Il bouge dans tous les sens, cet enfoiré. Arrête de. Oh, putain, le bâtard. Mais il arrêtait pas de bouger dans tous les sens, en fait. C'était ça le problème. Ouais, donc. Un petit coup de scope, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Non. Non. Oh le bâtard. Alors ouais, fallait essayer de tuer. Non, mais en plus ça m'a mis un. C'est sérieux là. Non, hit marqueur. Non, deux hit marqueurs. C'est sérieux. Oh putain, fait chier. Alors le premier, on voit qu'il galère un petit peu. Non, j'étais à côté. Ouais, yes. Oh putain, je l'ai. Alors le premier galère beaucoup avec la avec l'arbalète. Désolé si je parle pas trop. Non non non. Là faut que je le tue. Là faut que je le tue. Oh non, oh, dommage. Dommage dommage. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Je serais même pas arrivé troisième, donc c'est pas très très grave. J'ai vraiment très galéré avec l'arme, avec les deux trucs bizarres. Ça, elle m'énerve cette arme, je sais pas pourquoi. Donc voilà. En tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo jeu d'armes vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à commenter, à partager avec vos potes, etc. etc. À vous abonner à ma chaîne si mon travail bah, vous plaît. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Peace.